Et on va... Voilà, voir la caméra qui va tourner pour voir la finalité de l'action. La passe ou le cercle et la présence et la taille forcément qui font la différence pour... Ça peut empêcher le shoot. Il n'y a pas eu la réussite derrière. Ward. Et ça passe à 3 points pour l'international français. 9-6 pour Lyon-Villeurbanne. Et le dunk énorme, justement l'entrée fracassante du grec. Kostas Antetokounmpo. 15-8 pour Lyon-Villeurbanne en défense. Lasvel avec Marcos Knight. Et la grosse défense encore énorme, le compte. Lançons un contre un avec Campbell. La remise d'Antetokounmpo. La passe à une main puissante en direction de Dylan Ozetowski à 3 points. Plus 10 pour Lyon-Villeurbanne grâce à l'Allemand. Prise de balle conservée malgré Hugo Robineau. Et ça va passer, 2 points de plus. Lyon-Villeurbanne ne vous laisse aucune chance. Quasiment en phase offensive quand il y a les opportunités. Oh, encore une fois le contre. Kostas Antetokounmpo. Allez, Antetokounmpo. Okobo, Okobo. L'accélération. Et encore ce shoot. Mix. Dossier qui se retourne. Et ça passe avec l'appui de la planche. C'est très bien fait. 32-16 des shoots. Main gauche, main droite. Déclenchement main droite. Cette prise en deux temps qui n'est pas possible. Le contre à mener pour Lyon-Villeurbanne. Et ça accompagne. 2 points de plus. Passe décisive, Paul Lacombe. Et une nouvelle accélération. Et... Oh, ça passe. Là, c'est très bien fait par Darin Govens. Mais bon, on prend pour. Oh, la passe aussi dans le dos. Ouais, il fait showtime là. Elio Kobo, Lasvel en démonstration. Et qui a failli enquiller un 3 points. Rebond offensif de Fall. Prise en deux temps. Paul Lacombe qui accompagne. Cholet qui bénéficie de moins de rotation et peut-être moins de fraîcheur doit faire avec ce rythme et cette agressivité et qui attaque très fort par ce alley-oop. Ce genre de geste, on prend sans hésiter. Interception, et bien voilà, très bon début de troisième quart-temps pour Cholet. Allez, cette rigueur défensive qui doit être retrouvée côté Choletais. Tels ont dû être les mots du coach à la pause, mais derrière, ça enquille à 3 points avec... Darin Govens, on ne sait pas avec qui il discute là-bas en bas à gauche de votre écran. Peut-être avec des supporters. Chris Jones, ça passe. 2 points de plus pour Lyon-Villeurbanne. Anosike contourne. Et c'est toujours cette agressivité défensive qui permet maintenant le 4 contre 2, le surnom, le 5 contre 2 presque. Alors, il préfère temporiser avec Howard. 10 secondes sur la possession. Ils sont très loin les Choletais pour l'instant du cercle. Ils avancent, ils accélèrent. Petite feinte. Et ça va passer quand même. Avec Anosike, le Nigérian. Dans une astrobal plutôt bien garnie hein, ce soir. En ce mardi soir. Chris Jones. Ouh, la passe magnifique qui est derrière. Fall. Quelle passe. James Gist ou encore un Matthew Strazel qui serait quasiment présent dans un 5 majeur dans quasiment toutes les équipes de Betclic Elite. Oh, le 3 points avec la faute. David Lighty. À perte de balle de Lighty. Interception. Oh, c'est bien pour s'enrouler dans le... La défense pour faire le tour et la caméra trompeuse de Govens. Allez, Govens qui va accélérer. Main gauche, ballon dans main gauche, tir déclenché, main droite. Bon travail de Govens. Il y a quelques lueurs, mais voilà, il manque de régularité pour l'instant. Kostas Antetokounmpo. Ça reste un joueur. Allez, TJ Campbell qui crée le décalage là-bas. Avec Dalo, Dalo dessus. Ouh, et il est là. Là on doit être un collectif en tout cas qui s'affirme. Côté Choletais en défense qui va faire l'effort face à Kahudi. Et Kahudi par contre qui fait le boulot lui aussi qui. L'écran là juste ici sur les pick and roll pour l'instant pas forcément d'efficacité. Ah peut-être là la capacité de Campbell main gauche. Eh ouais ça descend bien. Fall était venu en défense. Quel 3 points, quelle fin de match. Quel scénario. Govens qui avait scoré à 3 points, mais la réponse aussi de Lyon-Villeurbanne derrière. Qui temporise, 10 secondes sur la possession. Il va falloir s'appliquer, tous les ballons vont être déterminants. Oui, la place magnifique, c'est bien fait. Et dessous avec l'appui de la planche, il a suivi intelligemment. Le fait de jouer plus qu'une seule fois par semaine permet aussi d'avoir plus de fraîcheur. Et là, Eli Okobo qui peut monter les épaules. Et on va rester à ce score de 87-72. Victoire de Lyon-Villeurbanne face à Cholet, je le disais. 10e succès consécutif. Il ne fallait pas se relâcher côté Lyon-Villeurbanne. Tel était le mot d'ordre avant ce match.